Bonjour mes petits sahbis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme, plus en forme que Tata, parce que franchement je suis en train de dépérir. Pourquoi j'ai disparu mon petit sahbi? Parce que Tata elle est partie, Tata elle déménage. Et en ce moment on a refait la peinture d'ici, c'est pas fini, je vous montrerai quand on sera bien installé. Là je dois lessiver parce que quand t'es fumeur pendant 7 ans, l'appartement fume avec toi et je te dis pas comment c'est un problème, un problème, un problème. De ouf! Dans cet appartement, il y a une petite terrasse sympathique. Donc, on va fumer dehors. Moi, je fume presque plus. Je fume mes deux clopes le soir. Dehors, sur la terrasse, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Je m'en fiche. Voilà. Et franchement, c'est un pur bonheur quand il y a un rayon de soleil. Je me bronze la mimine. Je me bronze la pomme. Et franchement, je prends de la vitamine D parce que j'en ai besoin. Actuellement, je suis en PLS. PLS, tu connais ce que ça veut dire, mon sarpé? Non, franchement, je suis en train de dépérir. Donc, je vous laisse avec le visionnage de cet aménagement. Franchement, on a trimé, 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 trimé. C'est pas fini. Hein. Franchement, on a trimé, mes sarpés. C'est pas fini. Mais mon chéri a été très courageux parce qu'il sort du taf. Il vient, il va, il vient, il va. Il a déménagé la maison de ses parents après le décès de son papa, Mich Mich. Repose en paix. Bref, il a vidé la maison de ses parents. Après, il a déménagé les meubles ici. Il a beaucoup de courage parce que moi, déjà, j'ai une tendinite du pouce. Je suis en train de crever. Je continue à m'entraîner parce que je peux me servir de ses quatre doigts, mais le pouce, il est dead. Celui-là, il est décédé, mais les autres doigts, ils marchent. Bref, je souffre, mais j'ai besoin de faire du sport, sinon je vais crever. Mentalement, psychologiquement, c'était très dur. Il n'y avait pas de télé, pas internet. Je vous dis pas le calvaire. Le calvaire. Mais moi, je déteste les baraques sans bruit. Respect à tous les gens qui n'ont pas de télé chez eux, je sais pas comment vous faites, franchement, sans déconner. Moi, ça m'angoisse, mais fois mille. Ça m'angoisse terriblement, j'avais envie de crever. On regardait des DVD en boucle, en boucle, en boucle, mais à un moment donné, t'en peux plus, quoi. T'as besoin de changer de programme, changer de chaîne, tu vois, c'est important pour moi. Peut-être qu'il y a des gens qui s'en tapent les reins, mais moi, j'ai besoin. Quand t'as pas de connexion, t'as pas la télé, t'as Walou, je te jure, tu crèves à petit feu. Enfin, moi, personnellement. Bref, je vous laisse avec le visionnage. Je reviens très prochainement avec d'autres vidéos. Et je vais être plus régulière parce que dans cet appartement, il y a une deuxième pièce pour coiffer mes princesses et pour filmer mes vidéos YouTube. Donc c'est super cool. C'est de la bombe atomique. Quand on aura fini ma parole, je vais faire une danse de fin de chantier. Putain de merde, j'en peux plus. Non, je te jure, j'en peux plus. J'en peux plus. Il faut que je finisse le lessivage de l'appart là-bas, là où on était avant. Je suis au bout de ma vie avec mon pouce qui me fait mal. Je te jure, c'est un calvaire. Et ça, c'est un calvaire. Après, je vais me taper la peinture. Mon chéri va faire l'enduit. Comme il taffe, moi, je vais me taper la peinture. Je vais lui laisser faire le plafond, je sais pas s'il pourra, mais si j'ai le courage, je le ferai, je sais pas. Allez, Baliche, souhaitez-moi de la force, envoyez-moi de la force et du courage, mes amis. Bref, merci d'être toujours là, merci de votre soutien, merci de votre confiance, et merci de m'envoyer de l'amour et du bonheur à chaque commentaire. Bébé, c'est bébé ça. Si, en fait, il y a des portes méchantes, je dis de là. De quoi d'abord? Il y a des portes méchantes. Ah ouais? Là-dedans, il y a rien à refaire, ça va, juste le plafond, pire Ah, des c'est cas, pas parce mal que le c'est du lustre, j'aime fermage. bien. Ouais, Moi, ça ouais. m'arrache Ah, j'aime bien le petit meuble là, c'est mignon ça. Et ils ont laissé un abattoir de WC tout neuf en plus. Des barres, il y a des produits. Ça, c'est mignon ça, j'aime bien. Ah, il y a les portes des chambres. Putain, ils ont mis du cache-misère partout. Première couche de fête. Franchement, on a bien bossé. On a bâché tout correctement. La bâche, c'est action. Franchement, elle est top. Et cette peinture, elle est plutôt pas mal. Donc c'est cool. On a essayé le pistolet, il marche pas, c'est de la vraie merde. On s'en doutait un peu, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Première couche, il nous reste le plafond. Au-dessus, ici, là. Et au-dessus, ici, là. Parce que quand tu déplaces l'escabeau, ça fait des trous dans la bâche. C'est pas du tout un bon plan. Bref, je vais m'attaquer à l'autre chambre. Parce que franchement, comment ils ont fait la peinture, les anciens locataires, voilà. Merci, au revoir. Donc, tout est à refaire.
que ça soit propre. Ma fille, t'es sage. Mon amour, mademoiselle. Allez, c'est parti pour attaquer cette pièce. J'avoue, on va bien voir la différence, ça va être du lourd. Je vais bâcher. Bâcher. Je vais mettre du scotch autour de la fenêtre pour pas l'abîmer. Et on est bon. Donc, ça, c'est fait. Il nous reste le plafond. Ça, c'est fait de ce côté-là, sauf ici en haut, là. Il me reste la porte, ce mur, celui-là au-dessus des radiateurs, celui-là là-bas, il me reste celui-là. Non, celui-là, celui-là, il est fait. Pas jusqu'en haut parce que je suis trop petite et l'escabeau, ça trouve la vache, donc c'est une galère. Mon chéri, il le fera après. Il reste en haut. J'ai fini ce mur. Je suis très fière de moi. Et j'ai fini ce mur. En espérant que j'ai pas fait de coulure et qu'il va pas m'engueuler. Ah là là, vivement qu'on se prenne des bains de soleil. La table, elle va partir. On va mettre la nôtre. Et voilà quoi. Il reste le coin des fenêtres aussi. Et ça, je l'ai fait. Il reste aussi en bas là. Mon chéri fait la peinture, on est une équipe formidable, franchement ça fait plaisir. Tata au mur, Michmich au plafond, franchement on est une équipe. Un binôme formidable avec mon amoureux. Il est mignon, il avance vite, en plus au moins le plafond c'est ma hantise. Il est courageux mon amoureux, on a tout bâché, on a galéré de ouf pour bâcher. Mais les bâches actions elles sont très bien, par contre le scotch il est bien mais il se décolle un peu à la longue, donc bon. Mais bon, au prix où ça coûte, ça vaut le coup. Pour les prises, tout ça, c'est important de le faire. Oh, le plafond, c'est un merdier. Ça nique là, le cou, c'est tombé. Moi, franchement, on m'a assuré aujourd'hui. Cette peinture est très bien. Si vous cherchez une bonne peinture, ah ouais, vous pouvez y aller. Franchement, elle est top. C'est là. 60 euros, c'est ça? Ouais. Franchement, top. Un peu moins de 60 balles, mais franchement, elle couvre bien. 5 litres, ça veut dire que t'as 12 litres en plus. Ouais, franchement, c'est de la bombe. Ah bah, ils disent 120 mètres carrés. Hein. Ça se trouve, on pourra faire les deux apparts avec. Hein. Je sais pas trop, mais il y a moyen. Là, tu vois, dès que tu fermes la porte, tu en vois plus rien. Si je vois ici. Ouais, vite fait, ouais. Là, c'est pas évident à voir. Hein. Deuxième chambre, il reste que la porte à peindre. Là, le plafond a été fait, tout a été fait, c'est nickel. Nickel, franchement, c'est vraiment parfait. On ne peut pas faire mieux. Je pense que nous pouvons être fiers de nous. J'ai même réussi à récupérer la porte. Il y a encore le scotch, mais les anciens locataires, ils avaient déglingué la porte. Elle n'était pas du tout dans cet état-là. C'est cool. Resterait que la porte à peindre. C'est nickel. Le déménageur de l'extrême. C'est nous, c'est nous. Et regardez mon chéri, il a fait quoi? Il m'a installé ma chaise romaine, il est trop mignon. Qu'est-ce que j'aime cette vue. Marcelo, je t'annonce que tu veux nous reconfiner, j'en ai rien à ta paille. Non mais franchement, elle est pas belle. Elle est pas belle la vie. Comment je kiffe, je vais même pouvoir mettre le banc. Ça déchire de ouf. La petite salle de sport du confifi, on est confiné, on n'est pas confiné. On est confiné, on n'est pas confiné. Je pourrais bronzer et faire du sport. Que demande le peuple? Alors comment je suis fière de moi, c'est un truc de ouf. J'ai vidé tout ce qu'ils avaient mis, les anciens locataires. J'ai galéré comme jamais. Il me reste que ça. Ça. Le reste, c'est vidé. Magnifique. Mais ça, tu vois, c'est sec. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai tout nettoyé avec la balayette. Et franchement, c'est sec. Je suis contente. Lourd. Je suis grave fière. Je suis trop fière de moi. Je n'en peux plus de cette cave. Plus jamais je veux débarrasser une cave, plus jamais. Never is never. Aïe, je suis trop contente.
Ah, comment je suis content de mon boulot, comment je suis content de mon boulot, comment je suis content de mon boulot. Putain, j'en peux plus. Les bibis tri-tri, les bibis tri-tri, les bibis tri-tri. Ça sert à quoi d'avoir des skills, wesh? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Putain, je suis content. Il me reste que cette merde à débarrasser. Putain, je suis content. Je suis fier de moi, j'en peux plus, putain, je vous jure. Il y avait du hala partout. J'ai déplacé des pierres, elles font un quintal. J'en peux plus, mais ça, j'en peux plus. Les choufis, chez Benti, tout ce que j'ai débarrassé de la cave qui nous avait laissé comme hala, s'il vous plaît. Eh, j'ai cru que j'allais pleurer tout à l'heure. Ma parole, ma voiture, mais ce qui n'a me fait de la peine. J'ai tout déchargé, j'en peux plus. C'est pas une séance de musculation, ceci quoi, Yabenti? Non mais Matt, est-ce qu'il a ma voiture, elle me fait tiens. Démarre ma bagnole, s'il te plaît. Un gouffre, quand je vous dis que c'était un gouffre, c'était un gouffre. J'ai fini, je suis fier de moi, ça maman. Pardon ma voiture de t'avoir fait subir tout ça. Dernière mission du jour, et après on est bon. J'en peux plus de cette journée. Putain. Yeah. I saw. It's conscious. Whoa. Doing 90 on the jet skis. Yeah, we living. Tell these haters, come and get me. Come and get me. Lil' mama, you look sexy. And she bad. I wanna fuck, she gon' let me. See. I ain't pussy, don't test me. Don't test me. Ice hard, Wayne Gretzky. Ice stop. Yeah. Yeah. Pour ma carrière, ma vie est en danger. Et mes muscles ils servent à quelque chose au moins. Ah bah si, il y a besoin de muscles, tu rigoles ou quoi? Tenir une porte, ouais. Faut changer de main toutes les 5 minutes. Allez, Roumain, je vous dis pas. Putain, on s'en souviendra de cette armoire de merde, je peux plus me la voir. Mon chéri conduit. Tata, elle tient la porte, le porte et le confio. Voyage avec nous. Là, je fais mes étirements pour la semaine. C'est bien. Venez à Pilates, mon amour. Libération, 18 km. On a réussi, moi et mon amour. Libération de Mich-Mich. Ah putain, j'ai une peu cran, je te dis pas. Ouh, loulou. Éponge de ponçage action, franchement c'est de la bombe. Il y en a une gros grain, petit grain et moyen grain. Franchement c'est de la bombe. Il y en a trois, c'est génial ce truc. Deuxième couche. Bâclé. Et bon, la peinture, je vous le dis, on n'est pas prêt d'en refaire, moi et mon chéri. Parce qu'on a bien galéré. Alors, après un long calvaire en voiture pour trimballer cette armoire, mon chéri, il va devoir la couper. C'est formidable, on adore. Voilà un chien qui a peur qu'on l'abandonne. T'es farci. Parce que quand je vois là, la maîtrise là et là, c'est pas du tout la même. Donc, plus ça sèche, plus c'est mat, c'est magnifique. Et mon amoureux, il est trop fort. Il a mis du carrelage, c'est magnifique. Comparé à la merde qu'il y avait avant, franchement. Ouais, non, mais oui. Non, mais parce que je filme mon vlog. Et ça, la peinture, elle paye pas de mine comme ça, mais franchement, c'est une très très bonne petite peinture. Le pot, il est minable, mais tu t'en peins avec. Ah, oh, ça fait du bien, l'avancement. Ça aussi, il a fait ça, il reste plus que le nettoyage. Franchement, ça, c'est trop mignon. Avec le soleil, ça te déchire. Notre chambre,
bientôt fini aussi. Là, il va remettre du carrelage ici aussi. Parce que ça, c'est pas très jojo. Ils ont collé des plaques n'importe comment. Il a refait l'armoire, il l'a découpé et tout. Il a réussi à mettre les portes. Chapeau, Mich Mich. Non, franchement, mon amoureux, il sait tout faire. La chambre, elle est nickel. Il n'y a plus qu'à ranger les sapes et tout. Oh mon Dieu, quel boulot. Et ma petite pièce d'amour, c'est le sbeul. Elle fait le carrelage ici, le déchir de ouf. Il va en remettre aussi du marron ici. Ça sera mieux pour nettoyer et tout, et ça sera plus joli. Ma coiffeuse, ça va aller là. Allez, c'est parti pour le plafond acte 2. Parce que il manque un peu, il y a des manques un peu. Du coup, je vais refaire une deuxième couche et je vais peindre le, au-dessus du meuble aussi. Après une séance Guibol, c'est fort sympathique, je vous l'ai dit. Donc on y va. On prend son fourrage à 2 millimines, à 3 millimines. Et on est parti. Comment... Oh, j'ai juré, je n'en peux plus. Vraiment, le plafond, c'est ce qu'il y a de pire. Respect à tous les peintres, je ne sais pas comment vous faites pour faire ça tous les jours. Moi, je ne veux plus. Allez Nathalie, courage. Après une séance Guibol, je ne dis pas comment c'est sympathique. C'est ultra sympathique. J'ai mal voyé. Et m'arrête, donne-moi du courage. Ah oui. Je ne sais même pas comment c'est tellement que j'en veux plus. Alors, démanchement. On va refaire tout ce pan de mur. Allez, petit, allez. Je vais faire le bois après. Il faut que je finisse ça aujourd'hui. C'est pas possible autrement. Je ne suis pas peintre. Non, franchement, j'en peux plus, les amis, j'en peux plus. Le plafond, je le déteste. Un autre à faire là où on habite. Je vais te dire, on n'a pas fini de s'amuser. Il me reste juste un truc à faire, c'est de virer le petit meuble qui est là dans la terrasse. Oh, on a fini la peinture de cet appartement. Ouh, genre, ça sert à rien de faire de la musculation. Eh ben, tu le dis, tu m'en fous. Ouh. Non mais c'est trop du lourd. Regardez, les bichettes, elles courent. Eh, il est 20h, wesh. Alors ça, c'est magique. C'est vraiment trop magique. Ah, ils sont trois. Là, tu vois, je suis au max. Il m'en faut peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Oh, mais c'est trop mignon. Il y en a partout, des bestioles. Ma parole, on est aux autres toiries ici, c'est un truc de fou. Oh, j'ai retrouvé ma coiffe, ma foi. Merci les bichonnettes. Kata, il fait un pipi la crotte. Mais ma parole, elle était juste à côté de la bichonnette. Un truc de fou. Et nous qui adorons voir les bestioles dans la forêt, c'est génial. Oh, j'adore, ça déchire de ouf. On n'est pas loin d'où on était avant. Je vais pas dire dans quelle ville, parce qu'il y a des curieuses qui passent par là et j'ai pas trop envie de leur nourrir leur curiosité. On est à 18 km d'où on était avant. Donc du coup, je suis à 25 km de la salle au lieu de 15. Non, le 18, je sais, je dis des conneries. Et du coup, je suis au max. Ah, les bichounettes! Attends, ça déchire. Je sais pas si vous les voyez. Ah, c'est trop fort de voir ça. Franchement, c'est génial. Eh, je suis trop heureuse. Ma parole, ça déchire. Salut les bichounettes! Salam alaikum, ya wouldi. Bref, on est au max du max. Carta, elle est au max. Parce qu'elle peut se promener dans la forêt. Elle a une envergure de décor magnifique. Mais Tata, elle est éreintée de fatigue. J'ai un pouce en moins, donc c'est la main droite. Donc c'est génial, on adore, on apprécie particulièrement. Souhaitez-moi bon courage, mes amis. Priez pour moi. Regardez ces décors instagrammables. Moi, je trouve ça grave instagrammable. C'est-à-dire, souhaitez-moi bonne chance. Que je fasse pas tout ça pour rien. Le lessivage, la peinture, tout le merdier. Pour qu'au final, on me rote qu'à 1300 euros. Parce que sinon, je crois que je vais tomber vraiment en dépression. Vraiment. C'est un truc de fou. Bref, parce que là, entre l'essence, les allers-retours, ici, l'ancienne baraque, la salle de sport, parce que j'ai besoin d'aller à la salle de sport, c'est quoi, mais seul, ça, des faisans. Ma parole, c'est la ville de faisans ici.
Ne faites pas attention à ma pomme, parce que là, franchement, j'ai envie de crever en ce moment. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire le contraire. L'état des lieux de ma santé psychologique est déplorable, ma foi. J'essaye de maintenir mon entraînement 3 fois par semaine au moins. Normalement, je fais 4 trainings par semaine, mais là, je ne peux pas faire 4 trainings, donc j'en fais 3. J'essaye au moins pour me maintenir moralement, sinon je vais crever. Franchement, je suis déprimée. Voilà, mon chéri, il m'a assez aidé. Il a eu son papa qui est parti, il a vidé la maison de ses parents, il a déménagé les meubles, il est crevé. On est des humains, on n'est pas des machines, donc c'est trop. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Là, il me reste le lessivage de là-bas, lessivage, la peinture, après je leur rends les clés. Inch'Allah Rabbi, ils me rendent ma caution. Et je trace ma route. Et après, je retourne à la salle 4 fois par semaine pour mon plus grand bonheur. Parce que franchement, j'en peux plus. J'en peux plus de cette situation actuelle. J'en peux plus, franchement. Donc, je reviens très prochainement avec des vidéos haul, tout ça. Comme d'hab, mes amis, merci à vous de votre soutien. Merci de votre confiance. Et merci pour tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, ce mois-ci, j'ai gagné 230 € avec YouTube. Ça m'a beaucoup aidé, encore une fois. Sinon, j'aurais été dans une horde pas possible. Donc, merci infiniment. Parce qu'en ce moment, je coiffe pas beaucoup de princesses. D'ailleurs, si vous êtes des tempes, je suis à 15 km des tempes. Donc, profitez-en pour vous refaire une santé capillaire. On en reparle très prochainement de mes chars. D'ailleurs, ils ont beaucoup poussé. Vous êtes beaucoup à me poser des questions là-dessus. On en reparlera très prochainement, promis. J'ai mis ma tenue chine qui m'apporte du baume au cœur, ma foi. Tout en rose bonbon. Kataï. Oh. Je dis bonjour à mes sahbis. Ah, t'es au max, t'en as rien à foutre, t'as pas de meubles à démonter ou les habits. Bref, je suis vulgaire, j'arrête. C'est le petit gros minet, j'ai plein de poteaux gros minets dans le quartier. Au revoir. Viens, Titi. Et franchement, je suis passée chez Soch. Franchement, c'est un truc de ouf. Ils ont été grave vifs. Normalement, je devais attendre le 1er juin. J'étais en train de dépérir à petit feu. Je me suis dit, oh là là, allez, j'ai pas la télé, j'ai pas internet depuis jusqu'au 1er juin. Je suis dans la merde. Parce que franchement, c'était très dur psychologiquement, mais sincèrement, comment te dire que mon portable, il était mort dans le game. Il n'y avait plus personne, j'avais plus d'amis, j'avais plus Sahab, je ne pouvais plus voir les stories Instagram, ouais, Lou. Franchement, comment crever à petit feu, sincèrement, c'était un truc de ouf. Là, vive Soch, j'ai envie de dire. Je suis passé ses sens et je regrette point. Et je vous dirai comment le réseau du téléphone portable fonctionne chez Soch. Parce que je n'en sais rien. J'ai passé aussi mon portable chez Soch. Voilà quoi. Beaucoup de répétitions dans cette vidéo, mais je suis RNT. Tu vois ma gueule? Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Je suis à 2 doigts de crever, mais je vais tenir le coup. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Bref, mes amis. Je remercie dans cette vidéo ma petite Cécile, ma petite Aurore, vous êtes des amours. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour moi, pour votre soutien, pour tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Et bien sûr, je remercie Mich Mich parce que sans lui, je serais foutu. Je crois que je me serais enterrée toute seule. Sincèrement, ça aurait été plus vite. Bref, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures plus sympathiques, je l'espère. Ah oui, et vous avez été plusieurs, dont Jennifer, je te fais un bisou si tu passes par là. Merci beaucoup pour les liquides, franchement, ça me rend grave service. De ouf. Bref, vous avez été plusieurs à constater que ma tronche était rectangulaire en ce moment. Parce que quand je monte les vidéos de mon téléphone sur l'application Viva Vidéo, je suis rectangulaire, donc voilà, je suis désolée. Papa, maman, les gars, je suis désolée. J'ai la gueule en triangle, je suis désolée. Je peux rien faire. J'ai pas mon PC pour l'instant, c'est pour ça. Donc voilà, la qualité va revenir. Mais pour l'instant, tata, elle est rectangulaire. Rectangulaire, voilà. Je suis désolée. Ça m'allonge la gueule. Déjà que je ressemble à R, alors là, en rectangle, laisse tomber ma chetron. Je me vois, je me fais tiep. Franchement, je me fais tiep. Je vais pas vous mentir. Bref, sur ces belles paroles, faisons de la géométrie ensemble. Et au passage, grande dédicace à Karine, ma propriétaire qui est adorable comme tout. Il existe des gens bien encore, il faut croire en ce monde. Et le destin, rien n'arrive au hasard dans la vie. Et si on est tombé sur Karine, c'est pas pour rien à mon avis. Donc voilà, merci Karine pour ta gentillesse, ta compréhension et l'amour de femme que tu es. Et merci Fabrice au passage. Voilà, c'est son pote Fabrice, tout simplement. Donc voilà.